Tout le monde. Alors, je suis Clément, je suis en charge de la partie communication, événements et développement pour le Bivouac. Alors, on vous accueille encore une fois, donc c'est la deuxième fois qu'on accueille le Jug au Bivouac. On est ravis de pouvoir le faire. Donc, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, on est dans l'ancienne salle d'assemblée du conseil régional. Le Bivouac est logé juste derrière vous à l'étage. Là, on a des bureaux et des open space. Certains viennent parfois coworker ici. Pour votre info, pour ceux qui bossent en remote ou en freelance, vous pouvez venir coworker ici avec des tarifs spécifiques. On a monté cette offre avec Clermont Tech, elle est valable, toujours en cours bien évidemment. Donc si vous êtes intéressé, on peut en parler après pendant le petit repas qu'on partagera à la fin de la conf. Donc je remercie le Jug pour choisir le bivouac comme lieu de cet événement. Et bienvenue Nastasia à Clermont et au bivouac pour cette présentation. Voilà, j'en dirai pas plus. Passez un bon moment ici. Juste pour info, si vous voulez parler, on n'est pas obligé de faire passer le micro puisque vous pouvez appuyer sur Speak et ensuite ça marche. Si on réussit à activer, voilà, normalement ça marche. Mais c'est l'effet Bonaldi. Donc normalement ça sera activé. Je ne sais pas si Laurent, c'est bon, ok. Donc on fait un petit test. Voilà, quand c'est actif, c'est rouge et vous pouvez parler dans le micro. Ensuite, vous éteignez. Donc, si vous avez des questions, je sais pas, en fonction de ce que tu préfères, pendant ou après, vous pourrez faire ça pour que tout le monde entende bien. Voilà, je laisse la parole à Pierre qui va parler pour le Jug. Merci et bonne soirée. Merci Clément. Donc, bienvenue à cette cinquième soirée de la huitième saison du Lava Jug. Donc, la première que j'ai l'honneur de présider ici, vu que j'étais absent. Le mois dernier. Donc ce mois-ci, on a la chance de recevoir Nastasia Sabi, qui nous vient de Lyon, pour nous parler de Spark. Je vais faire les petits messages habituels publicitaires. Donc d'abord les sponsors, qu'on remercie de nous donner de l'argent, qui permet de faire venir les speakers, de vous payer un buffet à l'issue de la soirée. Donc merci à BrainCube, merci à Harvest, qui nous sponsorise depuis ce mois-ci. Donc merci à eux. Donc ils viendront nous dire un petit mot, je pense, dans les prochaines semaines, on verra quand ils seront disponibles. Merci aussi à CGI qui apparemment reconduit son sponsoring. J'ai un mail. Donc merci à eux. Devox France qui nous sponsorise aussi un petit peu et BeWise qui sponsorise également le Jug. Et donc merci au Bivouac de nous accueillir donc pour la deuxième fois. C'est vraiment une chouette salle et c'est quelque chose de bien de faire des choses avec eux. L'avenir au Lava Jug, donc on a une soirée Gloroute qui est en préparation, suivie d'une soirée Vertix. On aura après une star locale qui est d'ailleurs présente dans la pièce, donc Paul Pinault qui nous parlera de code embarqué. Et enfin une soirée Kotlin pour conclure la saison. Sinon, je vous annonce pas, parce que ça a été annoncé au Mug il y a une semaine, donc une première mondiale. La première mondiale elle est là. Donc, la première mondiale, c'est que donc, les trois assos tech clermontoises qui sont actives, parce qu'il y en a plein, mais qui ne sont pas vraiment actives, mais qu'on aime bien quand même. Donc les trois assos tech clermontoises, à savoir Clermont Tech, le Mug et donc le Lava Jug, co-organisent une soirée autour de TypeScript qui aura lieu donc le 21 mars dans cette pièce. Donc on espère qu'il y aura énormément de monde. Donc il y a 120 places, le challenge c'est de remplir la pièce. Et donc c'est super parce que c'est une vraie première grosse collaboration avec nos petits copains de Clermont Tech et du Mug. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les différents présidents présents dans cette pièce. Et donc, c'est vraiment chouette de faire un truc ensemble. Donc, je reviens au slide d'avant. Pour vous dire que donc Clermont Tech fait l'API Hour le 7 mars. C'est la 41, donc après c'est la 42e. Avec plein de surprises apparemment, il paraît. Il y a un super apéro PHP le 14 mars. Où est-ce qu'il a lieu, Claude? Au Delirium Café. Donc vous pouvez venir parler de PHP en buvant des bières, et pas l'inverse. Ou du café, c'est aussi possible. Et donc il y a une soirée Xamarin au Mug le 9 avril. Et j'en profite pour vous rappeler cette superbe URL, donc planète.clermontech.org, qui
qui est une plateforme web donc développée par nos petits amis de Clermont Tech, qui permet de centraliser l'ensemble des événements tech qui se passent à Clermont-Ferrand. Donc ça permet d'avoir une overview de tout ce qui se passe. Et j'en profite pour remercier Clermont JS, le Clermont RB et la Cube, donc les associations moins actives, mais on espère qu'ils vont recommencer à faire plein de trucs très bientôt. Voilà, j'en profite aussi pour relayer un message qu'il y a eu sur la ministre de Clermont Tech cette semaine. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, j'ai honte, qui a lancé un Slack IT Auvergnat, qui a pour objectif qu'il y ait un espace de discussion pour tous les gens qui bossent autour de l'IT en Auvergne. Donc on essaiera peut-être de tweeter le lien sur le tweet du JUG. Et sinon, si vous n'êtes pas sur la mailing list de Clermont Tech, on les aime quand même, donc vous pouvez venir vous inscrire sur cette mailing list. Puis sur celle du JUG aussi, si ce n'est pas fait. Voilà, j'ai fini du coup. Donc, je vais laisser la parole à Anastasia pour parler de Spark. Normalement, j'ai... Ouais, et ça marche. Eh bien, bonsoir. Je m'appelle Anastasia et effectivement, je viens de Lyon. Mais je suis très contente d'être ici ce soir parce qu'en fait, j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, enfin mon master plus précisément. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir par ici. Ici, vous avez mon Twitter. En fait, dans les jours qui suivront, je ferai des slides un peu plus explicatifs si vous avez envie de reprendre et je les partagerai sur Twitter. Donc, en fait, je suis là pour vous parler de Spark. Et plus précisément, voilà, cette idée de 7 conseils pour démarrer avec Spark, d'où c'est venu. En fait, finalement, c'est venu de mes propres erreurs, de mes propres galères. Et soit des trucs que j'aurais bien aimé savoir tout de suite, soit des trucs qu'à un moment donné, on m'a donné et que du coup, ça fait un peu de lumière. Alors, simplement pour faire rapidement ma petite description. À l'origine, je viens du monde PHP. C'est un monde que j'ai beaucoup aimé, malgré tous les trolls. J'ai fait des choses plutôt sympas. Par exemple, je travaillais sur Sysplay, chez M6, donc ça, c'était vraiment plutôt cool quand on peut faire des choses sympas. Et puis, d'éléphant, en fait, j'ai sauté et puis je suis passée dans le monde de la data. Donc, ce petit éléphant, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'éléphant Hadoop, qui est un framework pour faire de la data. À l'origine, en fait, c'était la peluche d'un enfant. Et le créateur d'Hadoop a dit oh, comment je vais appeler mon truc. Il lui a donné le nom de la peluche de son enfant. Ici, vous avez donc du coup mon entreprise, donc Zenica, qui n'est pas implantée ici, mais que peut-être vous pouvez connaître. Zenica, c'est l'anagramme de Kaizen qui veut dire amélioration continue. Là, c'est la mascotte qui est en vacances, le Zeni Canard. Il y en aura après, d'ailleurs. J'en ai envie, du coup. Que dire ? C'est une société de service qui fait pas mal de choses, dont de la data, forcément. On a un peu trois pôles, on a des missions longues, du conseil et puis de la formation. Alors du coup, quand j'ai commencé la data et Spark, en fait, ça ressemblait un peu à ça pour moi. C'est-à-dire que ben, j'y connaissais rien et j'avais un peu la trouille. C'était un peu un monde un peu dangereux où je risquais de me faire attaquer au détour d'un canyon. Et puis voilà, c'était vraiment... Enfin, il fallait comprendre... Déjà, je changeais de langage, je passais à du Java, du compilé. Il fallait que je comprenne la data parce que j'avais fait beaucoup de web et c'est quand même un mindset que je trouve assez différent. Et du coup, il fallait que je me lance et puis on me disait, tu vas voir, la data, c'est le pétrole du 21e siècle. Génial,
la personne qui a dit ça, génial, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais on n'a rien dit. Et on me disait, ouais, t'en fais pas, tu vas trouver de l'or au fin fond du Far West. Vas-y, lance-toi, tiens ta pelle, tiens Spark, on y va. Voilà. Donc, c'était un peu le contexte. Et on me promettait, du coup, avec cette pelle, de construire une civilisation, une cité avec plein d'étincelles. La traduction littérale, c'est étincelle. Et du coup, le problème, c'est que je disais, bon, ok, très bien, mais comment je vais faire? Donc, qu'est-ce que je savais de Spark? Eh bien, pas grand-chose à l'origine. Je savais que c'était un framework pour distribuer le travail sur plusieurs machines. J'y reviendrai. On m'a dit, voilà, c'est mieux qu'Hadoop MapReduce. Super, je ne connaissais pas Hadoop MapReduce. Mais ce n'est pas grave, on va se lancer. Alors, avant de se lancer, je vais quand même vous faire une petite présentation de un petit peu Spark, ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, on a toujours, d'une manière ou d'une autre, des data en entrée. Donc, ces données, elles peuvent être distribuées la plupart du temps, c'est ce qui est conseillé. Donc, ça peut être un système de fichiers distribués. Ça peut être du Kafka, ou alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être du JDBC, ça peut être un fichier en local. Voilà, c'est pas forcément conseillé, mais c'est des choses qui existent. Ensuite, on a cette data, on fait de la moulinette, on fait une petite transformation, et puis on recrache quelque chose, voilà, d'une manière ou d'une autre. Exemple, nous voici sur un site en ligne qui propose de regarder des vidéos. Et ça enregistre les vidéos que les utilisateurs ont regardées. Donc là, voilà, on a les noms des utilisateurs, les films, et puis quand ils l'ont regardé. Et puis ça nous fait pas mal de données. Et du coup, en fait, cette donnée, pourquoi est-ce qu'on l'enregistre à l'origine? On l'enregistre surtout pour faire de la reprise de vidéos. En fait, c'est quand vous êtes en train de regarder... par exemple sur YouTube, une vidéo. Ensuite, quand vous revenez, ça vous met ou pile à l'endroit où vous étiez ou un petit peu avant selon le chapitrage en fait. Donc en fait, on enregistre plein de données et on se dit mais finalement, cette donnée, elle peut me servir. Elle peut me servir à réaliser des stats, à savoir qui sont en fait mes utilisateurs. Par exemple, est-ce que mes utilisateurs sont plutôt des addicts, des occasionnels? Quelle proportion j'ai d'utilisateurs dans chaque branche? Est-ce que c'est des noctambules? Les noctambules, en fait, c'est un terme qu'on utilisait pour parler des personnes qui viennent la nuit. Et pourquoi ça a un intérêt? Ben, on peut se dire que les personnes qui consomment un service la nuit vont peut-être pas le consommer de la même manière que d'autres personnes. Et peut-être que celles qui viennent tout le temps la nuit, mais qui viennent le jour, peut-être qu'elles ont, elles attendent quand même une certaine interface, des choses comme ça. Donc déjà, première chose, connaître ses utilisateurs et du coup, pouvoir s'adapter à eux. Donc du coup, ça marche avec de la donnée. Alors, j'ai présenté plusieurs fois Spark, plusieurs fois avec cette présentation qui a quand même pas mal changé, et souvent, je remarque que les gens sont déçus. Ils sont déçus, en fait, parce qu'ils me disent, mais finalement, Spark, c'est que ça. Genre, finalement, filtrer de la donnée, faire des trucs comme ça, j'aurais pu le faire avec du Java classique, voilà, c'est pas un problème. Et c'est vrai. Sauf que ce que Spark va permettre en plus, je dirais pour simplifier, c'est de pouvoir distribuer vraiment ce travail-là. C'est-à-dire que là, par exemple, on a 10 millions d'utilisateurs tous les jours. Alors on se dit, ouais, 10 millions d'utilisateurs tous les jours, c'est pas tant que ça. Oui, sauf qu'en fait, on va enregistrer absolument toutes leurs données. C'est-à-dire que l'utilisateur, il arrive, il lance sa vidéo. En fait, on fait des hits toutes les 5 minutes. S'il a fait une pause pendant le générique, on le saura. S'il a avancé à tel moment, on le saura. Et ça, c'est des informations qui peuvent nous servir. Donc, en fait, à la fin, ça fait quand même un gros paquet de données qu'on peut aussi croiser avec d'autres sources, etc. Du coup, Spark va vraiment permettre de distribuer cette donnée. Alors, du coup, je vais me lancer un petit peu plus dans Spark. Et pour me lancer dans Spark, je vais prendre un cas. Un exemple en fait que je vais traîner tout du long. Ce n'est pas un exemple que j'ai réellement connu en prod, mais il s'apparente vraiment à un petit peu ce que je fais quotidiennement.
Alors, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais voilà, donc je suis en mission longue actuellement et je fais du pneu, moi aussi, même si je suis à Lyon. Grosso modo, je suis chez un sous-traitant qui fait de la data dans le pneumatique. Voilà. Et là, je vous propose de faire de la data dans le diamant. Supposons que nous soyons une entreprise qui veut s'insérer sur le marché du diamant, mais qui n'y connaît rien ou pas grand-chose et qui se demande ben, qui sont mes concurrents, à combien est-ce qu'ils vendent leurs diamants, dans quelle catégorie, est-ce que ça se vend plus en France, aux États-Unis, bon, peu importe. Du coup, ce qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on va, on va prendre, parce qu'il y a des sites en ligne qui vendent des diamants, on va prendre de la donnée en fait, de tous ces sites. Quels sont les prix du jour avec quelles caractéristiques de diamants. Et ensuite, toutes ces données, on va les agréger, on va faire des stats, etc. Et du coup, j'en étais là, et voilà, je me lance, je me dis, ok, très bien, je pars dans Spark. Et le problème, déjà, premier problème, c'est que j'étais sur mon IDE, donc j'étais en Java. Aujourd'hui, je ne fais plus que du Scala avec Spark, mais au début, j'étais en Java. Donc pour moi, ça voulait dire qu'il fallait que j'affronte le compiler. Malgré tout, l'interpréter, ça a quand même des choses, bon, je pouvais facilement lancer quelque chose. Il n'y avait pas de ligne de commande pour lancer des petits exercices. Grosso modo, je galérais pas mal à rentrer dans Spark. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, là, tu es en train de t'embêter. Il existe un super outil avec Spark qui s'appelle le Spark Shell et qui serait du coup mon premier conseil, c'est de commencer par le Spark Shell et de voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Alors, en fait, j'avais prévu de vous le montrer. Le problème, c'est que j'ai un Linux. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous le présenter. Mais je vais vous présenter, en tout cas, la logique qu'on retrouve derrière ce genre d'outil. Alors, que le Spark Shell, du coup, c'est un outil qu'on peut lancer en ligne de commande où on va avoir du Spark et du Scala intégrés. Et ça va nous permettre de pouvoir tester plein de choses de manière assez facile. Il existe aussi PySpark qui marche pour le coup avec Python, donc Python et Spark. Alors pour faire les quatre langages en fait qui sont avec Spark, il y a Java, R, Python et Scala. Même s'ils ont quelques différences entre. Alors du coup, il existe les Spark Shell ou sinon une autre chose qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle les notebooks. Les notebooks, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu utiliser par des data scientists, par exemple. Je ne sais pas si tout le monde voit un peu la différence. Grosso modo, on va dire qu'on a deux formes de profils, les data ingénieurs et les data scientists, même si on a d'autres qui mettent data analyst, data architect, etc. Les data scientists, c'est un petit peu, par exemple, ceux qui vont dire en machine learning, moi, je préfère utiliser un réseau de neurones qu'une régression linéaire, c'est n'importe quoi, enfin, vraiment penser ce genre de choses. Alors que le data ingénieur va plus être dans l'industrialisation de tout ça. Et j'ai vu pas mal de data scientists utiliser les notebooks. Moi, j'en utilise pas forcément beaucoup, mais c'est une manière aussi de se simplifier Spark. Là, on est sur un notebook mis en ligne par Databricks. Databricks, en fait, ce sont les personnes qui ont créé Spark, qui ont ensuite créé Databricks, qui vient en support, qui propose des formations, des outils en plus, etc. Alors, comment ça va marcher? Je vais créer un notebook. Alors, je suis désolée, mais tout sera en Scala. Bon, de toute manière, les outils, je ne pouvais pas le faire en Java. Donc voilà, je me suis désolée. Mais vous allez voir, on peut quand même faire des choses sympas. Alors, je vais en créer un. Je vais appeler jeu de test. Donc, je choisis ce cas-là. OK. Et là, en fait, je vais pouvoir du coup lancer des choses directement dans ma plateforme sans avoir à m'enquiquiner de préparer certaines choses. Je peux aussi lancer n'importe quoi en ce cas-là. Donc là, j'ai choisi ce cas-là. Par exemple, je pourrais créer une variable Toto. Voilà, je mets n'importe quoi. Et voilà, donc il m'infère le type, voilà, j'ai mon résultat. Donc je pourrais, en fait, ça m'arrive des fois
je lance mon Spark Shell et puis en fait je fais du pur scala à l'intérieur, ça sert à rien, mais je l'avais déjà lancé, donc c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on va faire, c'est des choses peut-être un peu plus intéressantes. Donc du coup, on disait on part d'une data. La data que je vous propose, c'est une data en fait, donc mes diamants, qui sont un fichier, qui sont dans un système de fichiers distribués propre à Databricks. Donc c'est déjà sur la plateforme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Spark Context, donc SC, qui est déjà en fait présent. Donc là, je vais aller lire mon fichier. Quand même vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, là, j'ai uniquement 50 000 lignes. Je trouve que c'est suffisant pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec Spark et pas trop pour pas être embêté. Donc là, je viens de lire en fait mon fichier et j'ai pris les 10 premiers éléments et j'ai fait un println. Alors là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en fait une RDD de string où en fait chaque ligne de mon fichier sont là, mes lignes. On reconnaît en fait un peu un CSV où on a nos traders et nos lignes. Il me dit, ben oui, effectivement, c'est une RDD de string. Et du coup, chaque élément, en fait, ce serait comme une séquence, comme une liste, où chaque élément, en fait, serait une ligne. Alors là, je vais être obligée de faire un truc un peu dessus, que je n'avais pas prévu. Je vais supprimer le header, en fait. Donc, là, j'ai plus de header et je vais pouvoir commencer. Donc, supposons que moi, je veux que les éléments qui ont plus de 1 carat parce que ben, c'est ma cible, tout simplement. Donc, je vais aller filtrer mes diamants de plus de 1 carat. Donc, je vais prendre mon élément, ma RDD, et puis je vais la filtrer. Donc, je vais lui appliquer une fonction de filtrage. Donc là, du coup, si vous regardez bien, donc Diamond, en fait, je vais avoir un string. Un string où, en fait, j'aurai ça. Donc, ce n'est pas très intéressant. J'aimerais bien pouvoir le travailler un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un array. Je vais le splitter. Voilà. Et ensuite, je vais dire ben, le deuxième élément. Parce que, oui, le deuxième élément, en fait, qui est là, voilà. C'est le carat. Je le caste parce qu'en fait, ben, j'ai que des strings. Et puis, je récupère mon élément. Et puis, je vais l'afficher. Je vais afficher juste les 10 premiers éléments. Effectivement. M'affiche uniquement les 10 premiers éléments. Ok, mais moi ce que je veux, en fait ce qui m'intéresse c'est la donnée prix. Bon, bah, très bien, maintenant je continue. Donc j'ai obtenu une nouvelle RDD que je vais en extraire que les prix. Je veux dire, bah, je veux que les prix cette fois. Donc, je reprends ma RDD à Ikara et puis je lui dis je veux que les prix. Donc là je vais être obligée de faire pareil. Je vais être obligé de splitter. Et puis, je vais prendre mon septième élément et je vais le caster en int. Là, je vais faire un point collect qui va me renvoyer tous mes prices dans un array, donc un array purement scala. Ok, donc du coup, on en est là en fait. Là, on commence un petit peu à voir comment on peut lancer des éléments, prendre des éléments, les transformer. Mais le truc, c'est qu'on n'a peut-être pas toujours conscience de ce qu'on fait. En tout
tout cas, moi, au début, je ne me rendais pas compte. En fait, il y a, en fait, grosso modo, deux types importants comment dire, de fonctions dans Spark, et qu'il est vachement utile de savoir. Et du coup, ce serait mon deuxième conseil, qui est de faire la différence entre ce qui est transformation et ce qui est action. En fait, dans Spark, on va avoir des actions et des transformations. En fait, à chaque fois que je passe d'un objet Spark à un autre objet Spark, c'est une transformation. Quand je passe d'une RDD à une RDD, c'est une transformation. Mais à la toute fin, j'obtiens un arrêt. Et je vous ai dit, c'est un arrêt purement Scala. Du coup, cet arrêt purement Scala, eh ben, en fait, c'est une action. Quand je fais mon point collecte, je lance une action. Une action, en fait, c'est dès que je sors de Spark. Donc, je sors de Spark parce que je reviens dans mon API de mon langage, donc Java, peu importe là où je suis. Ça peut être parce que je vais écrire mes données, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je les écrive d'une manière ou d'une autre, que je les renvoie quelque part. Ou alors, ça peut être je veux renvoyer quelque chose en console. Ça, ce sont des actions. Et pourquoi est-ce que ça a un intérêt, les actions et les transformations, de faire la différence? Bon, déjà, pour savoir un petit peu ce qu'on manipule. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que, en réalité, ce ne sont que les actions qui lancent toute la chaîne de transformation, et ça a quelques impacts. Par exemple, là, je vais reprendre mes éléments où je voulais que le prix, et ce prix-là, bah, je vais faire un peu n'importe quoi, je vais le caster en booléen. Et là, il me dit, bah, pas de problème, je te renvoie ta RDD, tout va bien. Et je lui dis, bah, ok, très bien, bah, je continue, j'ai confiance. Et puis, bah, du coup, je lance une action. Et boum, badaboum. Bon, alors là, c'est une erreur, mais il y a peut-être la semaine dernière, j'essayais de lancer un test. Et en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais oublié de lancer mon action. Et je disais, pourquoi j'ai pas d'exception? Pourquoi j'ai pas d'exception? Donc, bon, comme quoi, enfin, moi, ça me joue encore parfois des tours, même si ça va beaucoup mieux qu'au début. Donc ce serait vraiment mon deuxième élément. Le troisième, ouais, je vous promets, hein, j'ai pas pour l'idée de vous convertir à la fin de la soirée. C'est plutôt pour vous dire en fait pourquoi apprendre les bases de Scala dans le contexte de Spark. Déjà parce que c'est écrit en Scala. Donc il y a une logique, mais plus qu'une logique, il y a le fait simplement de pouvoir lire la fonction que vous allez utiliser. Il y a le fait que Scala, en fait, c'est l'API qui est la plus complète, dans le sens où elle a absolument tout. Donc vous allez pouvoir tomber peut-être sur des choses dans la documentation, dans les exemples. Sur Stack Overflow, tout simplement. Et puis les outils. Alors, les outils, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les outils, je pense qu'il y en a autant en Python qu'en Scala, pour le coup. Mais moi, personnellement, en fait, quand j'ai commencé, je faisais du Java, et enfin, j'avais pas, j'envoyais pas à ce moment-là de Scala en production. Pour autant, assez vite, je me suis dit, il va falloir que je m'y mette un minimum. Juste pour pouvoir lancer mon notebook, pour pouvoir faire des choses. Et très sincèrement, au début, je ne faisais pas grand-chose, hein. Bon, c'est vrai que je pense que dans un an, je me dirais pareil. C'est toujours un peu comme ça. Plus on apprend des choses et puis plus on se rend compte qu'on ne savait pas il y a quelque temps. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un truc qui peut vous aider de se plonger juste un minimum pour comprendre. Ce qu'on est en train de faire. Alors, mon quatrième point, ce serait d'apprendre et de désapprendre les RDD. En fait, je n'ai pas posé la question, mais il y en a qui connaissent Spark, qui en ont déjà fait. Alors, peut-être je t'ai choqué en montrant les RDD dès le départ. Possible, c'est pas. En tout cas, les RDD, en fait, c'est la première API de Spark. C'est la première API et elle est encore toujours valable. On peut toujours faire des RDD.
Mais c'est pas vraiment conseillé parce que c'est pas forcément le plus optimisé, parce que c'est très bas niveau, etc. Donc, on va peut-être commencer par désapprendre les RDD. S'il s'agit de désapprendre les RDD, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on vient de faire? Bon, on peut le faire avec ce qu'on appelle les data frames. Je vais reprendre mon fichier. Et là, cette fois-ci, alors c'est pas la même entrée, c'est une Spark Session. Et je vais lui dire va lire un CSV. Parce qu'en fait, finalement, comme je vous disais, c'est rien d'autre qu'un CSV, ce que j'ai dans la main. Bon, ce qu'il y a bien, c'est que déjà, j'aurais pu mettre CSV, j'aurais pu mettre JSON, enfin, il y a pas mal de connecteurs qui existent. Ce CSV, deux choses, je vais lui rajouter des options. On a vu qu'il avait un header. Donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir le prendre en compte. Et je vais lui dire, attention, ben, j'ai un header. Ensuite, deuxième élément, bon, c'est bien sympa de travailler avec des strings, mais si on pouvait avoir un petit peu de typage, ce serait cool. Donc, on va lui dire, ben, infère-moi le schéma tout seul. Donc ça, grosso modo, ça veut dire... Vas-y Spark, j'ai confiance, je sais que tu vas réussir à deviner le schéma. Alors ça, on ne le ferait pas en production, parce que bon, on peut toujours avoir des erreurs. Là, par contre, ça nous est bien pratique. Donc là, j'obtiens une data frame, et cette data frame, je vais faire un point chaud. Qui vont m'afficher en fait les 20 premières lignes. Donc là, j'obtiens les 20 premières lignes. Et c'est quand même tout de suite plus lisible. On a des noms de colonnes, c'est rangé, on n'est pas en train de manipuler des virgules, c'est quand même plus sympa. Et puis, on n'a pas que les strings. Preuve, c'est que si je fais un print schéma, j'ai d'autres éléments. Des intérieurs, des doubles, des strings quand il faut, mais j'ai pas que ça. Alors du coup, on voulait les diamants qui font plus de 1 carat. Je vais reprendre ça. Et cette fois-ci, je vais toujours utiliser une fonction de filter, mais je vais lui donner une string où je vais dire, en fait à la mode SQL, carat plus de 1. Je vais faire un carat.show. Okay, j'ai mes éléments. Et puis, on voulait aussi uniquement les prix. Donc, on obtient nos prix. Donc on voit que c'est un peu plus sympa pour aller dedans. Il y a quelque chose d'un peu plus fonctionnel dans le sens où on n'est pas en train de manipuler des objets bizarres. On a des carats, on a un schéma. C'est quand même sympa. Par contre, vous pouvez être peut-être un peu frustré parce que malgré tout, on avait des RDD de string. Donc en fait, je vous mens un peu, on aurait pu faire des RDD d'objets. Hein. Donc il y avait quand même quelque chose de typé qu'on n'a plus avec les data frames. Du coup, Spark, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bon, on va faire une troisième API. Faire une troisième API qui s'appuie sur les data frames, mais qui est typée. Donc là, ce que je vous propose, c'est de travailler avec des datasets qui sont, pour résumer, des data frames typés. Comment ça va marcher? Ça va marcher à partir d'une data frame. Ah, j'ai oublié un truc. Et avant ça, pour que je puisse la typer, il me faut un objet. Donc je vais créer une case class qui est en fait un objet. Une classe améliorée. Je ne sais plus ce que l'on fait. Voilà, donc en grosso modo, ça décrit les champs que j'ai avec le typage,
etc. Et je vais pouvoir m'en servir du coup pour construire ma dataset. Donc je vais repartir de ma data frame et je vais la caster en Diamond. Voilà. Donc là, j'obtiens un objet typé. Ce qui est bien avec la dataset, c'est qu'on peut absolument faire tout ce qu'on peut faire avec les data frames. Donc là, je pourrais très bien faire un point chaud, je pourrais très bien faire un print schéma. J'ai exactement la même chose. Je pourrais très bien lui faire un select exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc là, je vous montre juste, par exemple, là, je peux faire mon point chaud. Mais nous, ce qui va nous intéresser, du coup, bah, c'est de pouvoir se servir de ce typage. Donc, je vous propose de faire de nouveau la même chose, mais avec les datasets. Donc, on va toujours récupérer le diamant, les diamants qui font plus de 1 carat. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser ouais, toujours le filter, donc c'est ça, où je vais lui donner une fonction à l'intérieur, où je vais lui dire je veux que les diamants qui font plus de 1 carat, bah, je les veux, tout simplement. Donc là, en fait, Diamond, ça devient un diamant. Et puis ensuite, pour sélectionner, cette fois-ci, ce sera avec la fonction de map, où je vais lui dire, bah, je veux que les prix. Alors ça, c'est super cool parce que ça veut dire que des erreurs, en fait, le fait de, en data frame, comme on est toujours tout en string, bah ça, par exemple, un compilateur, il n'est pas capable de vous dire qu'il y a une erreur. Alors qu'avec les datasets, il est capable de dire qu'il y a une erreur. Le problème, c'est que les datasets sont pas toujours optimisés. Et puis, on passe souvent d'une dataset à une autre. Donc le passage, en fait, grosso modo, dans la vraie vie, on jongle entre les data frames et les datasets pour gérer tout ça. Alors je vous avais mis quand même apprendre et désapprendre les RDD. Donc, désapprendre les RDD, voilà, je vous ai montré qu'il y avait d'autres API. Mais pourquoi ça reste quand même important? Déjà, comme c'est la première API, vous allez souvent tomber sur des exemples qui présentent des RDD. C'est déjà utile de savoir que ça existe. Vous pouvez avoir la possibilité, enfin, vous pouvez avoir quelques cas où vous allez avoir besoin des RDD. C'est possible. Donc voilà, ça reste quand même parfois utile. Et puis, tout ce qui est en fait API haut niveau, donc tout ce qui est data frame, dataset, en réalité, ça nous donne des RDD optimisés. Donc c'est quand même quelque chose qui reste là, qui reste dans le framework Spark. Alors là, en fait, je vous ai montré du coup des API haut niveau et on a vu qu'il y avait un petit peu une logique SQL dans tout ça. On a des colonnes, on fait des selects, on fait des filters, il existe des fonctions when, etc. Et effectivement, il y a une logique SQL dans Spark. Qui, à mon sens, est sympa d'avoir en visu et de se rendre compte. D'où mon cinquième élément, qui est de se replonger dans du SQL. Alors, pourquoi je dis replonger? Ce n'est pas du tout votre cas. Mais moi, juste avant, en fait, de faire du Spark, j'avais fait beaucoup de Cassandra. Donc, Cassandra, pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, c'est du SQL hyper simple. Donc, je faisais jamais d'agrégation, je faisais jamais de jointure, enfin c'était vraiment vraiment très très simple. Et du coup, quand je me suis retrouvée à Spark, où il fallait faire des agrégations dans tous les sens, en fait j'ai même découvert avec Spark des concepts qui sont dans SQL depuis la nuit des temps, mais que je ne connaissais pas du tout. La preuve que c'est vrai, il y a vraiment une logique SQL dans Spark, c'est que tout ce qu'on a fait, on aurait pu le faire avec du SQL. Alors, je vais vous présenter une autre API, mais promis, ce sera la dernière. En fait, on a aussi ce qu'on appelle Spark SQL. Et Spark SQL,
va nous permettre en fait de faire tout ce qu'on a fait, mais avec des requêtes SQL. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va repartir de notre data frame de Diamonds, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait créer une table temporaire qu'on va appeler Diamonds. Et je vais pouvoir aller la requêter. Si je fais un point chaud de cet élément, voilà, on a nos éléments. Donc on peut faire tout ce qu'on veut dans une requête SQL. Il y a quelques différences avec SQL, mais grosso modo, à peu près tout marche. Donc on aurait pu récupérer notre diamant de cette manière-là. Where Cara. Plus de bon. Ça, généralement. Mais en fait, un truc que je n'ai pas montré, c'est parce que je fais tout de suite mon show, c'est vrai, c'est qu'en fait, ça va nous renvoyer une data frame. Donc après, vous pourriez repartir sur de la pure API data frame. Donc en fait, tout communique. Ce que je trouve génial avec cette API, c'est que déjà, moi généralement, quand je présente Spark en mode workshop, je commence par là, parce que ça permet de mettre le pied dans Spark avec quelque chose de généralement assez connu. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le fait qu'on ait Spark SQL, c'est que moi j'ai eu le cas par exemple où des personnes du marketing ne feront jamais de code de leur vie, ne comprendront ou n'auront tout simplement jamais envie de comprendre Spark. Mais par contre, faire du SQL sur le Data Lake, c'est pas quelque chose qui leur pose un problème. Du coup, elles vont faire des requêtes. Ces requêtes-là, via une interface automatisée, elles vont nous les envoyer. On va vérifier que la requête est bonne. Et puis nous, on va la prendre directement. On va faire spark.sql, la requête que le marketing m'a envoyée, renvoie-moi le résultat, enregistre-moi le ici. Donc je trouve qu'il y a quand même un côté super puissant et assez cool dans Spark SQL. Par contre, clairement, ça ne m'apparaît pas la solution pour faire du dev en tant que développeur. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais avoir une requête du marketing et l'industrialiser, ce n'est pas la même chose que se faire toute une agrégation en Spark SQL. Enfin, je suis déjà tombé sur du code comme ça et je trouve que c'est assez dur à débugger. En fait, finalement, on en revient à faire du dev en SQL, quoi. Donc, on ne gagne pas forcément grand-chose. Le fait d'avoir du SQL, ça fait qu'on va pouvoir utiliser plein de fonctions sympas, parce que bon, pour l'instant, je fais un truc un peu simple. Je vais vous proposer de faire un truc un peu moins simple, ce n'est pas une folie non plus. C'est de faire quelques stats sur nos données. Par exemple, on voudrait le prix minimum, le prix maximum et le prix moyen de nos prix. Et puis ça, on le voudrait par couleur. Donc là, je vais écrire la requête. Voilà, donc j'utiliserai les fonctions max, min, avg pour avoir mes éléments. Je vais mettre mon color. Je vais faire un from diamonds group by color. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit que c'était normal. Dans le monde des diamants, les couleurs, c'est des lettres. Ouais. Je me serais attendue à Ruby, Emerald. Non, c'est des lettres. Donc là, on va obtenir nos lettres. Et puis, on a nos éléments pour chaque lettre. Et toutes ces fonctions-là, en fait, que je vous présente, elles sont en réalité disponibles pour en mode pur data frame. Où est-ce qu'elles sont disponibles? Elles sont disponibles dans le package en fait de Spark qui s'appelle, sans grande surprise en fait, sql.function. Voilà, je vais récupérer ça. Et du coup, je vais pouvoir les utiliser sur ma data frame. Je vais faire un group by, la couleur, et puis je vais faire une agrégation. Je vais prendre que le max du prix.
on obtient nos éléments. Et en fait, ce qu'il y a de sympa aussi avec Spark, c'est que quand une fonction vous manque, comme max, min, bah vous pouvez toujours la créer vous-même. Le problème, c'est que ce n'est pas sans danger. Le fait de pouvoir créer soi-même une fonction, en fait, on appelle ça les UDF, pour User Defined Function. Alors, je vous disais, voilà, des choses qu'on apprend dans Spark, hein, que moi, j'ai appris dans Spark, mais qui n'appartiennent pas à Spark. Les UDF, ça ne vient pas du monde de Spark, ça vient du monde SQL d'une manière générale. Et du coup, quand une fonction vous manque, vous pouvez toujours la créer. Par exemple, ici, nous avons les prix et les couleurs, et nous voulons, pour x ou y raison, générer un code qui prenne la première lettre de la couleur et puis le prix. Puis en fait, cette fonction, en tant que telle, elle n'existe pas. Alors on peut en fait toujours la créer, faire une fonction. Et du coup, cette fonction, on la ferait dans l'API dans laquelle on est. Ensuite, on enregistrerait cette fonction dans Spark. Et puis, on pourrait l'appeler dans du Spark SQL, dans une data frame. Donc voilà. Alors moi, quand j'ai découvert ça, en fait, j'étais un peu surexcitée. J'étais super contente. Je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait. Je vais pouvoir faire absolument tout ce que je veux avec ce concept des UDF. Mais en fait, j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire que j'étais super excitée, mais j'avais un fusil dans la main et je ne m'en rendais pas compte. Et j'avais envie de tirer partout sans me rendre compte des conséquences. Et très sincèrement, j'ai fait des trucs dont je ne suis pas fière avec ces UDF. Et très rapidement, je me suis pris des problèmes dans la tête. Ça a pas tardé, c'est ça qui est sympa. C'est que je n'ai pas tardé à voir mon erreur. Et assez rapidement, j'avais des problèmes de performance avec mes UDF, ça marchait pas très bien. Du coup, je me suis un petit peu interrogée sur ce concept et j'en suis venue à la conclusion que ça pouvait être cool si on respectait certains principes, qui sont d'être aussi simple que possible dans une dev, donc de faire des choses vraiment très basiques, d'être aussi pur dans le sens de ne pas chercher à aller lire un autre fichier, une API, etc. Enfin, vraiment rester mathématiquement, tu me donnes ça, je te renvoie ça. Faire des tests. Alors ça, c'est assez paradoxal parce que j'ai rencontré des personnes qui me disent, comme Spark, c'est difficile à tester, moi, j'aime bien passer par SDF parce qu'au moins, c'est facile à tester. Et en même temps, donc du coup, ils utilisent des devs pas toujours comme il faudrait. Et en même temps, des fois, je trouve des cas de personnes qui disent, oh, SDF, c'est tout petit, je teste pas. C'est un peu dommage, je vois pas de raison à ne pas tester, surtout que c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus complexe à tester. Malgré ces règles, autant éviter le plus possible les UDF. Clairement, en fait, il y a des problèmes de performance dans le sens où c'est pas que c'est un problème de performance en soi, c'est que Spark ne fera jamais rien pour optimiser ce que vous mettez dans vos UDF. Il le dit très clairement, il dit les UDF pour nous, c'est une black box, donc évite au maximum. Généralement, du coup, moi, ce que je fais avec les UDF, c'est que je les utilise uniquement quand vraiment j'ai un truc un peu complexe, mais pas trop, justement, que je veux mettre à la disposition, par exemple, de l'équipe marketing pour qu'elle puisse construire ses requêtes dans le data lake. Mais la plupart du temps, en fait, il y a plusieurs solutions pour éviter les UDF. Il y en a plusieurs que vous verrez données en ligne. La plus simple, c'est de se dire, finalement, je voulais la première lettre de ma couleur et puis je voulais les prix. En fait, ça, c'est des choses que je peux faire avec un substring, etc. Enfin, je combine mes fonctions et finalement, on se rend compte qu'on n'en a pas forcément besoin. Alors là, je vous ai présenté un petit peu pas mal d'éléments de Spark en termes de dev et on peut se dire, bon, ben, ça va, je connais plusieurs API, je sais comment tester sur certains outils, peut-être qu'on peut se lancer. Eh bien non, parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas tester, et si on ne sait pas tester, ça va être compliqué de pouvoir partir en prod tranquillement et pas se faire attaquer au détour d'un canyon. Le truc, c'est qu'avec Spark, c'est pas forcément évident de tester. Et je sais que moi, personnellement, il a fallu que je me fasse un peu
déjà violence sur mes habitudes. Et deuxièmement, que vraiment j'aille chercher des solutions. Alors après, quand on combine, on trouve des solutions sur le web, hein, ça existe. Mais c'est vrai que dans tes jeux, ce n'était pas forcément évident. Pourquoi? Supposons, donc là, on a une case class Diamond. Très bien. On va lire un fichier diamond.csv et on va en faire une dataset. Jusqu'ici, tout va bien. Puis on va vouloir faire quelque chose avec cette dataset. Du coup, on va vouloir récupérer uniquement le prix. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre Diamonds, on applique une fonction de map et on applique une fonction à l'intérieur pour récupérer le prix. Cette fonction, en fait, c'est du Scala. Donc ça va. En fait, on va tout simplement l'extraire. Et cette fonction, vu que c'est du Scala, ben, on va le tester simplement comme on ferait avec n'importe quel outil, avec n'importe quel code de Scala. Le problème, c'est que souvent, ce qu'on fait avec Spark, ça ne ressemble pas à ça. Donc il y a quand même pas mal de cas où on arrive à extraire et à tester purement enfin, que du Scala, du Java, du Python, peu importe. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il y a des fois où ce ne sera pas le cas. Donc là, exemple, on a des diamants, et puis on va essayer de faire une corrélation en fait entre les couleurs tendances du moment et puis les couleurs du diamant. Donc là, j'ai remis des couleurs normales parce que c'est un peu relou de traiter avec des lettres. Et on va se demander naïvement, est-ce qu'il y a une corrélation? Bon, en vérité, il faudrait beaucoup plus que ça pour définir une corrélation, mais là, on va faire des jointures, on va avoir des éléments. Et on va vouloir récupérer à la toute fin, en fait, juste le prix, en fait, des couleurs qui sont jugées tendance. Et on va vouloir les récupérer dans une dataset de résultats. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos deux objets, donc ils sont là, mes deux objets Diamond et Trendycolor. On va les joindre. Ça va nous renvoyer une data frame. Puis, on va filtrer pour avoir uniquement les éléments les plus tendances, donc on va dire plus de 5. Ça nous renvoie encore une data frame. Et puis, on va sélectionner le prix. Et ce prix-là, on va le caster en dataset de résultats. Donc, on refait, on joint, on filtre et on sélectionne le prix pour en faire un dataset de résultats. Et du coup, ça ressemblerait à ça, une fonction où on prendrait les éléments les plus trendy. Donc, on aurait nos jointures, filtrage et sélection, et puis castage. Et le problème, c'est que pour faire notre cast, on va avoir besoin de la Spark Session. La Spark Session, si vous vous rappelez, en fait, c'est quand je faisais spark.read, etc., elle était déjà contenue. Et en fait, le problème, c'est que cette Spark Session, on va en avoir besoin pour plein de choses. Donc là, j'ai mis le import spark.appsit qui, grosso modo, va m'aider à faire le cast. Donc j'ai besoin de cette Spark Session. Et très souvent, je vais avoir besoin de cette Spark Session. Alors, il y a plusieurs solutions. Pour certains petits cas, on peut réussir à la moquer. Pour d'autres cas, il y a des personnes qui vont dire, il y en a pas mal qui font des clusters, qui pop carrément un vrai cluster et qui font leur test. Le problème, c'est que c'est un peu lourd, c'est un peu long. Donc une autre solution, c'est effectivement d'avoir la Spark Session et de la mettre à part en fait dans un trait et puis de la glisser en fait dans les tests pardon, qui ont besoin de cette Spark Session. Donc là, je crée un trait où j'ai ma Spark Session contenue dans ma variable Spark et du coup, je pourrais l'utiliser parce que je ferai un extend et puis voilà, j'aurai ma Spark Session. Alors, ça restera quand même plus lourd que des tests classiques, mais déjà, ça permet de solutionner pas mal de choses et de tester. C'est déjà pas mal. Le problème, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Une fois qu'on a ça, on va se lancer dans nos tests. Et puis, par exemple, on peut faire ça. Donc là, c'est bidon, mais c'est pour vous montrer un exemple. On a un résultat. On veut vérifier que le résultat est bien ce qui est attendu. Et on veut compter le nombre et voir que c'est bien 3. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Quand je fais mon result.collect, c'est une action. Donc en fait, elle va appeler toutes les transformations qui avaient lieu avant. Je vous rappelais au début, il y a la différence entre les actions et les transformations. Et tout ce qui est action, c'est ce qui lance réellement une transformation. Donc,
là, ça va lancer la jointure, lancer le filtrage, lancer la sélection. OK. Et là, j'ai mon résultat. Je passe à mon result.count. Et là, de nouveau, ça lance la jointure, ça lance le filtrage, ça lance la sélection et ça me renvoie le résultat. Bon, c'est pas très optimisé. Alors, c'est pareil, il y a plusieurs solutions pour résoudre ce problème-là. Moi, celle que j'aime bien et que je trouve la plus simple, c'est juste de dire ben, je reviens tout de suite, le plus vite possible, dans l'API dans laquelle je suis et je ne traite en test que du pur Scala ou le pur langage dans lequel je suis. Et finalement, on se rend compte qu'on peut faire tout à fait la même chose. Donc là, du coup, ça donne quoi? Ça fait que le result.collect, en fait, qui renvoie un arrêt, ça va me lancer la jointure, le filtrage et la sélection. Et en fait, cet arrêt, bah, je peux très bien dire bah, est-ce que c'est bien ce qui est attendu. Et là-dessus, je peux très bien faire non plus une fonction de count qui était vraiment pour l'objet Spark, mais un size pour dire bah, de combien est-ce qu'il est. Bon, avec tous ces éléments, j'espère que vous voyez peut-être un peu plus Spark pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, une bonne partie, parce que vous avez peut-être vu des tutos. Moi, avec tout ça, je voyais un peu plus le village à travers les champs. Peut-être pas New York étincelante, mais quelque chose d'un peu plus clair, même s'il y a beaucoup de, il y a encore pas mal de choses de toute manière à voir dans Spark. Là, je vous ai présenté grosso modo les API de base, mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Spark a une partie machine learning, une partie sur la théorie des graphes. Hein, c'est un framework qui reste bien complet et qui, au-delà d'être bien complet, en plus, embarque avec lui, quand on ne connaît pas, tout le mindset de la data, de framework distribué. Je vous remercie. Essayer de jouer avec ça. En termes de scalabilité, du coup, là, on a fait ça sur un tout petit dataset, je suppose. Enfin, on n'a pas vu la quantité, mais j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on peut estimer au fur et à mesure de nos tests, de la mise en place de tous ces programmes, le temps que va prendre nos calculs, finalement, sur le dataset complet? On arrive à avoir ce genre de ben, calcul? Tu arrives à l'avoir parce que tu le fais. Oui. Tu le lances. Simplement. Ok. Ouais. Et après, c'est variable en fonction de ta plateforme, sur combien de nœuds tu l'as distribué, combien de RAM tu as mis. Ouais, mais justement, enfin, pour avoir joué un peu avec du Hadoop ou autre, dès que tu te lances sur des gros datasets, tu n'as jamais vraiment une idée. Enfin, premier truc, ça te prend un week-end, et puis bah ok, ça prenait un petit week-end, c'est un peu long, il va falloir que j'optimise un peu, et puis enfin, voilà, c'est vraiment le trial and error quand tu commences à travailler sur du gros dataset, en fait, c'est long, quoi. Ouais, je sais pas sur combien t'étais. Bon, je sais plus, mais c'était dans ma thèse, c'est loin. D'accord, ouais. après, c'est vrai que ça dépend beaucoup du cluster que t'as. Moi, je sais que le premier cluster sur lequel j'avais, c'était genre open bar, donc on n'avait pas ce problème-là. Aujourd'hui, on se pose un peu plus des questions. Et puis, t'as des questions genre, est-ce que ma plateforme, j'ai bien les bonnes ressources au bon moment? Donc, si t'as quand même une vraie gestion de ça. Mais je dirais que ça se base plus sur l'expérience. Au bout d'un moment, tu sais quand même, tu te dis, j'ai tant de données pour mon cluster, j'imagine combien de temps ça va mettre. Ouais. Il y a peut-être des trucs très mathématiques, voilà, mais je pense que ça dépend aussi de ce que tu fais avec ton truc. J'ai une autre question sur la scalabilité. Ouais, je vois pas. Ouais. Ah, coucou. Tu nous as montré différentes méthodes pour arriver au même résultat. Oui. Et est-ce que selon ces méthodes, ça a un impact sur les traitements qui sont générés derrière et la scalabilité des traitements? Oui. Et du coup, c'est quoi le recours? Oui, alors effectivement, ce qui a un impact, alors les RDD, c'est pas optimisé, ça fera exactement ce que tu lui as dit de faire. Donc, si tu lui as dit, l'exemple classique, c'est. Je map quelque chose, genre je veux que tu me rajoutes à mon price x2 et qu'après tu fais un filtre, bah, c'est pas très optimisé quoi, mais il te le fera dans l'ordre que tu veux. Par contre, les data frames,
elles, elles vont dire, non, ça c'est une bêtise, elles vont te mettre le filtre avant. Et au-delà de ça, elles ont aussi des moteurs d'optimisation en plus pour optimiser. Donc les data frames sont plus optimisés que les RDD. Tout ce qui est Spark SQL fonctionne, c'est des data frames, donc c'est pareil que les data frames. C'est aussi optimisé. Après, il y a les datasets. Les datasets, c'est un peu particulier parce qu'elles ont aussi un moteur d'optimisation, mais il y a des choses où on sait que c'est moins optimisé que de passer par une data frame. Aujourd'hui, il y a une librairie qui est développée par un gars qui commit pour Databricks. C'est une librairie en fait qui permet d'utiliser les datasets parce que les datasets, à mon sens, c'est le plus cool. Enfin, t'es typé, c'est le monde merveilleux en ayant les mêmes performances que les data frames. Donc, si ça t'intéresse, c'est un projet qui existe et qui s'appelle. Je regarderai. Dans l'ordre du coup RDD, DataFrame, Dataset, etc. Et sachant qu'en vérité, en Java, les DataFrames n'existent pas. En fait. Il n'existe que les datasets de RAW, ce qui est un alias. Et en Python, bah, comme c'est pas typé, R c'est pareil, il n'y a pas de dataset. Pas de raison d'avoir de dataset. Ouais, moi j'avais une question sur. En fait, ton fichier que tu as montré dans ton exemple, tu as dit qu'il était dans un file system distribué. Ouais. Et ça, c'est toi qui le mets sur les différents nœuds ou c'est des choses qui sont gérées automatiquement par le file system pour le Google? Ah oui, non, c'est géré automatiquement. D'accord. J'ai un programme au-dessus. Tu sais, quand tu fais TLS, machin et tout. Moi je suis avec HDFS en fait, donc il existe plusieurs systèmes de fichiers distribués. Moi je vais faire HDFS LS, HDFS put machin. Okay. Et en fait lui il prend mon fichier et lui-même il va le splitter. Ok, mais c'est un HDFS dessous. Moi là c'est pas un HDFS. D'accord. Là c'est le truc de Databricks qui est, je me rappelle jamais du nom. Ok. Mais moi je travaille avec HDFS. Ok, d'accord. Sur combien de nœuds par curiosité? Alors là actuellement j'en ai 6. D'accord. Est-ce que tu sais si c'est possible, si tu connais des gens qui ont essayé de faire leur propre connecteur? Parce que là, tu nous as montré le CSV, ouais. Donc qui permet de prendre des données CSV, comme son nom l'indique. Mais est-ce qu'il y a moyen facilement, ou enfin, plus ou moins facilement, de se dire j'ai mon type de fichier à moi sérialisé d'une façon ou d'une autre, et je pourrais coder mon connecteur pour aller charger mes données à moi, quoi? C'est des choses que tu as... J'ai jamais vu. Après, je suppose que ça existe parce que, par exemple, le CSV, avant, il ne faisait pas partie directement de Spark. Donc, c'était codé à côté. Donc, ok. Ça marche, mais tu n'as pas de retour là-dessus? Non, j'ai aucun retour là-dessus. Okay. Après, il existe beaucoup, beaucoup de connecteurs quand même. Mm. J'exagère peut-être un peu. Mais, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un besoin particulier. Ok, ça marche. Bon, on s'arrête là, a priori. Merci. Je vais poser. Speech de fin. Merci. Quelqu'un veut parler à ma place? Olivier, non, c'était sûr. Mais en plus, tu nous as montré à quel point tu parlais bien dans ce beau micro. Yes. Donc, c'est important que ce soit moi. Ça marche. Un grand merci déjà pour ce talk. Merci beaucoup. C'était top. Puis moi, je connaissais effectivement, comme à mon avis, beaucoup de gens ici, pas Spark. Donc j'ai appris plein de trucs et ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Il me reste à remercier nos sponsors. Mais Pierre est parti, donc j'ai plus les noms en tête. Voilà, tu vois, t'aurais dû rester. C'était quand même plus simple. Et Devox France aussi, effectivement. Exact, exact.
Remercier les sponsors. Prochain talk, c'est notre big event, je pense. En tout cas, nous, puisqu'on co-host le talk TypeScript avec le mug et Clermont Tech. Et le buffet est là-bas, vous voyez. Là où c'est allumé, c'est là-bas qu'on va. Donc on vous invite pour la suite, pour prendre un petit buffet et poser toutes vos questions et discuter, etc. Merci de votre venue et puis bonne fin de soirée.